Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une revue sur une toile que j'ai finie. Donc comme vous pouvez le voir. C'est Aquarius de Joséphine Wall que j'ai acheté. Non, on va rectifier, que mon mari m'a offert sur DAC. Donc, elle fait 89 cm sur 70. Dedans, j'avais 4 AB. Elle représente mon signe astrologique, donc c'est-à-dire le Verseau. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de lignes. Donc, moi, je travaille beaucoup au multiplaceur. Hein, voilà, ça ne me dérange pas. Après, moi, je réajuste, etc. Donc, il y avait beaucoup de lignes, un petit peu, mais alors légèrement de confettis au niveau d'ici, au niveau de là. Par contre, je trouve que ça fait vraiment un très très bel ensemble. Au début, j'avais quelques doutes quand même. Vu que c'était au multiplacer, je me suis dit, oh là, ça va faire que des lignes, que des choses comme ça. Mais non, c'est très très joli. Les couleurs sont très belles. Effectivement, je vais la mettre au mur. Par contre, forcément, pour trouver un cadre de cette envergure-là, ça va être un petit peu compliqué. Moi, ce que je vais acheter sur Amazon, je vous mettrai le lien. C'est, je vais mettre des barres aimantées. Tout ici, une barre en haut, une barre en bas. Aimanté en bois, parce que voilà, comme je vous disais, le cadre, parce que faut savoir que chez DAC, quand on vous dit 89, par exemple 89 sur 90, c'est vraiment l'image qui fait ça, c'est pas les bords inclus. Comme vous pouvez le voir, elle a des petits reflets bleus partout, des petites paillettes. Pourquoi? Parce que moi j'en colle mes toiles. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie qu'un diamant parte, etc. Et je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo que moi, les toiles que j'achète, forcément, je vais absolument les mettre au mur, quitte à les faire tourner d'année en année, etc., de les déplacer d'une pièce à une autre, ça, voilà. Mais moi, voilà, une toile achetée, une toile sur un mur, au grand dam de mon mari, mais voilà, c'est comme ça. Au moins, je fais des achats compulsifs, mais s'ils sont compulsifs, ils sont revendus directement sur Vinted. Hein. Oui, alors revenons à nos moutons. Je vous disais que vous alliez voir quelques petits spots bleus partout, des paillettes. Alors, c'est normal, donc j'en colle. Vous allez me demander, c'est quoi la colle? Alors, la colle, c'est Créalia. Vous avez vu, c'est vernis avec paillettes. Donc, c'est du vernis avec paillettes bleues. Les paillettes sont légèrement bleutées. Et je l'achète sur Créalia, je sais plus, je vous mettrai le lien, je sais plus. Vous allez me demander aussi comment je fais pour l'en coller, donc c'est simplement un pinceau, regardez, bah, il vous paraît dur, mais vous le passez en fait sous l'eau chaude, et après tout, il redevient normal. Donc c'est un pinceau tout bête de chez Action, avec un petit contenant, je verse un tout petit peu de colle dedans. Je mets de l'eau froide, de l'eau chaude, ce que vous voulez, mais moi, le mieux, c'est quand même de l'eau froide. Je touille, et après, hop, je badigeonne ma toile. Donc, vous inquiétez pas, votre toile, elle va devenir toute blanche. Vous laissez sécher pendant 24 heures, tout va s'évaporer, tout va redevenir normal. Vous pouvez même dépasser sur les côtés pour bien, bien, bien sceller. Au moment comme ça, au moment où vous allez couper, il n'y a aucun diamant qui va bouger. Et ma toile, je vais vous montrer, elle ne reste pas rigide, regardez. Hop, je peux faire ça et elle va pas craquer. Hein. Elle va pas craquer. Donc c'est ça qui est vachement bien avec la colle. Il faut savoir, voilà, il faut savoir juste la doser. Moi, je mets une cuillère à soupe pour de colle pour 3 cuillères à soupe d'eau. Si vous voulez vraiment avoir des mesures au début. Et puis après, vous en collez, et puis ainsi de suite. Et voilà. Autre chose, je voulais vous montrer les diamants qui me restaient sur cette toile là. Donc vous voyez, j'étais pas en manque de diamants. Il y a juste une DMC qui me manquait, donc c'est la 797, voilà, la 797. Mais bon, j'ai pu m'arranger. La preuve, vous avez pas vu qu'il y avait des couleurs qui n'allaient pas, etc. Au niveau des AB, je pense que bon, il en reste un petit peu, hein, mais bon. Je demande pas, de toute façon, j'en fais pas la collection des AB. Hein. Tous ces diamants-là seront rangés dans mon système de rangement de diamants restants. Bien sûr, je ne garde pas tous les diamants. Par exemple, ceux de DAC, je garde. Ceux de DPD, je garde. Voilà. Après, ça dépend quelle compagnie j'achète. Manui, je ne sais pas encore. Et puis, Evermoment, je garde aussi. Donc, voilà. Dernière chose avant de clôturer cette revue sur cette toile.
Le cahier à broderie, donc à broderie diamant, donc cahier de projet. Donc la toile, vous allez dire, waouh, t'as mis longtemps à la faire, 7 mois. Oui, je l'ai commencé le 20/06/2021, mais j'ai fait d'autres choses aussi. Pour mon mari, j'ai fait un Star Wars, donc j'ai fait Darth Vader. J'ai fait mon chien qui est malheureusement décédé aussi, Sirius, mon bosseron. J'ai fait celui-ci, mais bon, on va le zapper parce que celui d'avant, je l'ai zappé vite fait parce qu'il vient pas de chez DAC et voilà, je veux pas d'histoire pour les droits d'artiste. Et ça, maintenant que je suis plus un peu plus dans le DP, j'y tiens vraiment au droit d'artiste. Donc ça, on s'en fout de celle-là. J'ai fait le chameau, tiens, d'action. La dernière fois, je vous disais que j'aimais pas les toiles d'action. Sauf que là, celle-ci, elle fait une 40 par 60. C'est pas une taille, une feuille A4, quoi, en fait. Très agréable à faire, hein. Très agréable à faire. Donc voilà. Après, le pissenlit couleur que j'avais acheté sur Amazon, abandonné, mais j'ai oublié de vous le dire à la vidéo que je vous ai montrée. Bon, bah bref, c'est pas grave, je l'ai jeté, on s'en fiche. Harley Quinn, je l'ai pas encore faite. Vous l'avez vu dans ma pile à DP. J'ai fait Maître Yoda aussi à mon fils, n'importe quoi, à mon mari. Mon fameux chat Sphinx que je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un livre? Pour ceux qui ne savent pas, hein, qui débutent, bien sûr, qui débutent le DP. Ah oui, j'ai fait aussi le petit cavalier King Charles pour une amie, pour Noël. Auraloa, la femme, vous savez, c'est la femme en hiver avec son colibri. On en parlera dans une autre vidéo. J'ai fait aussi un Diamond Painting Dutch Lang, donc DPD, que je suis en train de finir, de Sarah Richter. C'est la femme au papillon. Pell Queen, ah bah, la fameuse toile que j'ai abandonnée. Ah oui, en fait, j'ai même oublié de vous dire que la toile encollée, j'étais obligée d'encoller la toile car les carrés, ils n'arrêtaient pas de bouger. La colle, elle tenait plus. Bon, bref, elle était abandonnée, quoi. Ça, c'était le défi. Le défi Facebook de Lorraine. Donc, c'était pour Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on met sur un cahier de projet? Donc, vous mettez la photo de votre projet, le numéro, l'évaluation, ce que vous en avez pensé, là aussi ce que vous en avez pensé, on remet le numéro ici, le nom du projet, la date d'achat, bon, en fait c'est tout écrit en français. Mon mari vous... quoi, oui, parce que c'est mon mari qui monte les vidéos, hein, c'est pas moi bien sûr. Mon mari vous mettra le lien, parce qu'à chaque fois je vous dis je vais vous mettre le lien, mais non, je vous mets rien du tout, moi c'est mon mari qui vous met. Donc je vous mettrai le lien de ce carnet qui est assez sympa. Alors, vous allez rigoler parce que en fait je suis tellement speed que je me suis complètement engourée dans les numéros. Donc ça va de 1 à 11. Non, non, ça fait de 1 à 9, après 1 et ainsi de suite. Et en fait, ça va jusqu'à 16 parce qu'il y a la toile à Daline aussi qui va être faite, etc. Et comme ça vous permet de savoir tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez en stock aussi dans vos, voilà, dans votre pile à diamants, dans votre pile à DP plutôt, dans votre pile à DP. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez soit mon adresse mail, soit vous pouvez commenter cette vidéo en dessous, poser des questions, ça, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas qu'il y a un lien d'affiliation en dessous de chez Diamond Art Club, excusez-moi. Donc vous avez moins 15% sur votre premier achat. Et puis n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et puis de vous abonner à ma chaîne, de mettre la notification avec la petite cloche pour ne rien louper. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez m'écrire, comme je vous disais, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.